Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Je vous souhaite la bienvenue et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour une nouvelle session extraterrestre. C'est aujourd'hui le dimanche 8 septembre 2024. Il est 17h et j'ouvre la 36e visioconférence de la série Les Galactiques 2024 qui ont lieu tous les dimanches à la même heure. Comme vous le savez dorénavant, toutes les informations que je vous présente sont exclusivement de sources extraterrestres, notamment de mon mentor et principal contact Zen, à l'écrit, noir sur blanc et en audio. Il ne s'agit pas de canalisation ni de télépathie, mais de véritables conversations que j'ai enregistrées. Il m'est donc toujours possible d'avoir recours à mes enregistrements pour vérifier mes textes et vérifier les données que je vous fais passer. Vous pouvez entendre la voix de Zen dans ma vidéo sur YouTube, numéro 2023, trait d'union 115, et dans mon livre Premier Contact, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, nous allons découvrir les Urmas de la lignée des félins qui occupent le siège numéro 9 de la Fédération Galactique. Les Urmas font partie de la lignée des félins bipèdes, c'est-à-dire qu'ils marchent sur leurs deux pattes arrière. Leur planète d'origine se situe dans plusieurs amas et constellations, dans la constellation de la Lyre, mais ils sont aussi bien développés dans des colonies dans l'amas des Pléiades et des Iades, notamment autour de Mérope, Alpha Lyra ou Avalon, Avion avec un Y, sont des planètes qui ressemblent à la Terre. Les Urmas sont des Lyriens au même titre que les lignées humanoïdes célestes que nous allons voir pendant les sessions numéro 38 du 22 septembre et les Urmas félins bipèdes occupent les mêmes planètes ensemble. Ils ont de très nombreuses colonies dans l'amas des Iades et des Pléiades. Ils sont nommés Iadiens, comme vous le voyez sur l'encart derrière moi. Donc les Iadiens, qui sont aussi des Urmas, donc des félins, habitent certaines planètes dans le système stellaire des Pléiades Mérope ou dans certains systèmes stellaires des Iades, de l'amas des Iades. Il existe aussi des félins aquatiques, les Alnios, et des félins qui s'appellent les Inox. Ils occupent beaucoup de planètes, comme par exemple dans le système Sirius A, une planète qui s'appelle Enantia, E-N-A-N-T-H-I-A, dans le système du Grand Chien. Ils occupent aussi deux lunes de Jupiter, Io et Europe, qu'ils ont aidé à libérer de l'emprise des draconiens, et ils ont de très nombreuses énormes bases sur d'autres planètes, ainsi que des vaisseaux-mères stationnés en haute orbite dans notre système solaire Sol 13. Leurs multiples colonies à travers la galaxie se sont accumulées au fil du temps. Leur besoin de les protéger militairement et le fait d'être très politiques en tant qu'espèce, ainsi que leur force physique et mentale inhérente aux félins, ont fait d'eux la race la plus dominante dans cette galaxie. Ils sont présents partout. Leur influence culturelle et militaire est présente dans pratiquement toutes les civilisations, en particulier dans ce cadran dans lequel nous vivons. Quatrième cadran de la galaxie. Les Urmas ont été présents sur Terre depuis des milliers d'années, notamment en Égypte et Sumer en Mésopotamie, le plus récemment dans la culture romaine et surtout grecque. En Égypte, ils ont laissé leur empreinte, notamment avec Sekhmet, qui d'après Zen est toujours vivante. Elle est commandante d'un vaisseau-mère et s'appelle
Basse-tête ou Sekaet de avion. C'est la coéquipière du roi Rour d'avion, qui est un lion à la fourrure totalement blanche, qui a un nez rose et des yeux bleu clair. Il est naturellement albinos, comme son père. Rour est un jeune lion de la dynastie royale couronnée il y a environ 5 ans, en remplacement de son vieux père qui vit toujours. Le roi est considéré comme une incarnation de tout ce que représente la civilisation entière, le tout compressé en un seul individu. Il a à sa disposition un cercle de sages qui le guide tant qu'il est nouveau et jeune, mais au fur et à mesure qu'il progressera dans ses qualités et capacités de roi, les conseillers se retireront. Rour est toujours accompagné par au moins 5 de ses sages, mais c'est toujours lui qui prend les décisions. Ils sont en haute orbite terrestre derrière la Lune depuis 1952, donc depuis plus de 70 ans. Ils ont 50 immenses vaisseaux-mères en haute orbite terrestre qui accueillent environ 50 000 membres d'équipage. Ils ont des technologies avancées et ils sont pleinement militarisés depuis une quinzaine d'années, en 2008. Passons maintenant aux détails qui les concernent. Leurs caractéristiques physiques. D'après Zen, qui mesure 2 mètres de haut, les Urmas mesurent entre 2 mètres 50 et 3 mètres de haut, c'est-à-dire notre hauteur sous plafond au minimum. Ce sont des murs de muscles puissants. Ils sont bipèdes, donc comme des lions debout sur 2 pattes, et leurs pattes sont si larges qu'elles font la taille de la tête de Zen, qui est 2 fois plus grosse que la mienne. Mâles et femelles ont tous une fourrure longue. Ils sont de toutes les couleurs, comme les lions ou bien les chats, et de tous les motifs de fourrure que nous pouvons imaginer, comme les chats domestiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas homogènes. Et ils ne savent jamais quelle couleur les petits auront, ou de manière très limitée. Ils arrivent comme sur Terre que les membres d'une race, s'ils sont en relation les uns avec les autres, aient des enfants similaires, des lions comme des lions, des tigres comme des tigres, mais comme ils ne considèrent pas que c'est important, ils se croisent les uns avec les autres, ce qui donne une population très diversifiée en termes de lignée, donc d'apparence, en termes de couleur de fourrure et en motif de fourrure. Ils ont de longues crinières avec de fines tresses. Ils portent également des boucles d'oreilles, tant les hommes que les femmes. En général, ils ont des yeux bleus ou verts, de couleur or ou jaune, avec un iris vertical comme les chats. Ils ont une très longue queue avec une touffe au bout, et Zen disait qu'il fallait faire attention lorsque ils assistaient à des réunions de ne pas marcher dessus pendant ces réunions du Grand Conseil Andromédien ou du Grand Conseil de la Fédération Galactique des Mondes. Leur longévité. Ils vivent jusqu'à 5000 ans terrestres et c'est la raison pour laquelle Sekhmet est encore en vie. Population. Leur capitale s'appelle Avion, A-V-Y-O-N. Elle est de plus d'un milliard d'individus. Mais leurs villes ne sont pas surpeuplées. Les maisons sont comme éparpillées et les Urmas ne sont pas concentrés dans de grandes villes. Leur capitale est aussi grande que New York. C'est un port spatial avec beaucoup de circulation. Vega bouillonne d'activité à la fois pour les Urmas et pour les Lyriens humanoïdes, c'est-à-dire qu'ils partagent une ou plusieurs planètes ensemble. D'un côté, il y a les Lyriens humanoïdes et de l'autre, les félins. Et ils s'entendent très bien, enfin depuis un certain temps. Ils ont des bâtiments qui ne sont pas de très hauts bâtiments, comme par exemple à New York. Ce sont des bâtiments plutôt plats, mais leur caractéristique, c'est comme ils sont très grands, comme 3 mètres de haut sont très grands, les plafonds des pièces
sont très hauts et les salles sont très larges. Une autre caractéristique est que, tout en étant évidemment très avancé, leur style est très classique. Le terme de classique comme c'est compris sur Terre, c'est parce qu'ils sont très conservateurs. Ils ont des bâtiments à l'aspect ancien grec, comme du style du Parthénon ou des bâtiments de ce style avec de grandes colonnes et qui sont extrêmement solides. L'architecture des Urmas se caractérise par l'utilisation de la pierre avec des piliers de style grec, mais beaucoup plus grands. Des villes entières sont construites de cette manière, avec des entrées gigantesques, beaucoup de torches, des boucliers sur les murs, comme un mélange entre la Grèce classique et Rome, avec la science-fiction ultramoderne. Ils ont des bâtiments circulaires, mais les rectangles abondent également. Leur mentalité et leur attitude. Ils sont plutôt émotionnels, intellectuels, aimants, et ils prennent soin des autres avec une haute notion de moralité. Ils recherchent constamment la connaissance et sont curieux de tout, comme tous les chats. Ce sont des explorateurs interstellaires et des gardiens des planètes. Ils rehaussent la spiritualité et préfèrent prendre le rôle de médiateur pour arrêter des conflits. Ils sont très patients et des guerriers suprêmes.